girl should. Or maybe take a chance on love, on love. Maybe take a chance on love. You're the only one I'm dreaming of. Maybe take a chance on love. Maybe take a chance on love, on love. Maybe take a chance on love. You're the only one I'm dreaming of. Baby, take a chance, baby, take a chance. Baby, take a chance, baby's in a trance. Baby, take a chance, baby, take a chance. Baby, take a chance on love. Bien, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons pouvoir revoir les 12 candidats écaillés. Ils ont, pour le buffet dégustation fruits de mer, pour 10 personnes, 48 huîtres creuses, marraine Oléron, 20 plates, 20 praires, 20 palourdes, 20 moules d'Espagne, 20 amandes, 10 clams semoyens, 10 oursins, 20 langoustines, 30 crevettes, 20-30. Ils auront 2 tourteaux et pas des crabes, car j'entends beaucoup dans la restauration des crabes. Non, ce sont des tourteaux ou des dormeurs qui viennent exactement de derrière Belle-Île-en-Mer, Watt, la coopérative de Watt, Aïdic. Une très belle région à tirer des bords. C'est très bien du côté de la Trinité-sur-Mer. 3 homards. Ils vont avoir également à préparer des violets. Des crevettes grises, ça tout le monde connaît, des bulots, des bigorneaux, des crevettes bouquets. La crevette bouquet est une crevette que vous trouvez en France, du côté justement de la Trinité-sur-Mer uniquement. C'est la petite crevette qui coûte à peu près entre 300 et 400 euros le kilo. Et selon l'arrivage, mais je pense qu'ils y sont. Ils auront également à leur disposition un sac de glace de 20 kilos, 10 citrons, un sac d'algues, 3 réhausseurs, 50 coquilles Saint-Jacques vides et couvercles, 3 plateaux d'aluminium ronds, un plateau de 50 cm de diamètre, un plateau de 45 de diamètre et un plateau de 40 de diamètre. Ils auront donc en plus 4 plateaux polystyrène ovales pour pouvoir présenter tous leurs produits pour la dégustation. Tiens, la maison Rousseau des Halles, Paul Bocuse de Lyon qui est ici. Et puis voilà, table de travail. Et le syndicat, bien sûr, se réserve la possibilité d'annuler ou de changer les produits selon arrivage. Oui, alors il y a quelque chose de très intéressant dont tu parlais. Tu disais que... qu'est-ce qui vient de la Trinité-sur-Mer ? Les bouquets, les crevettes bouquets. Ça, c'est incroyable parce qu'on a une diversité de fruits de mer en France avec parfois des spécificités extrêmement locales. Lorsque vous avez un restaurateur qui met crevettes bouquets, ce ne sont pas des crevettes cuites. C'est la véritable crevette bouquet. Souvent dans la restauration, on vous met des crevettes cuites du jour, c'est-à-dire lorsqu'elle est crue, elle s'appelle gambas, lorsqu'elle est cuite, elle s'appelle crevette. Ce sont les termes que nous avons à la communauté européenne, puisque je suis souvent à la communauté européenne justement pour ça, pour défendre un peu le métier et pour savoir également que je suis en train de me battre pour que la Saint-Jacques s'appelle bien Saint-Jacques, elle fait partie de la famille des pectennes et que la noix de pétanque sera toujours une noix de pétanque et non une noix de Saint-Jacques dans des grosses sociétés de plats préparés. Donc, il ne faut pas que les restaurateurs trichent sur le mot de bouquet. Ah, tout à fait. Voilà. C'est la véritable bouquet. La bouquet, c'est une appellation, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est lorsque, pareil, l'huître plate. Vous voyez que nous, on vous met l'huître plate. Si elle vient, si elle naît, elle est élevée et elle vit dans la rivière de Belon, elle s'appellera Belon. Et la Belon est uniquement réservée pour la région Bretagne. Il y a des Bretons là, j'espère ? Bah oui. Il y en a plein de Bretons, hein ? Bah oui. Là, je suis le seul. Mais ils étaient là ce matin, en tout cas, puisque le Gargantua a été gagné par les Bretons. Par les Bretons, oui, tout à fait. Donc voilà. Alors, il faut quand même dire que le syndicat professionnel des poissonniers Rhône-Alpes fournit les huîtres aujourd'hui, les coquillages, les crustacés, et puis les accessoires, les citrons, les algues, les plateaux, les réhausseurs, etc. Voilà, donc c'est vrai que je sais que Monsieur Gaston Moreau, le président du syndicat des poissonniers écaillés du Rhône-Alpes, ça fait des années que je le connais, ça fait des années qu'il se bat. Et je vais vous donner une information qui m'est chère, étant donné que vous savez qu'hier vous avez eu le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia Pinel. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle m'avait promis d'être à mes côtés, mais bon, elle ne l'est pas.
et nous allons lancer sur le, au niveau national. Et ça, c'est bon pour messieurs les restaurateurs qui sont avec leur iPhone et qui ne les écoutent pas. Nous allons créer, avec l'ensemble des écaillés professionnels, c'est-à-dire patrons écaillés, nous allons créer une fédération nationale des écaillés et des écaillères. Je dépose les statuts la semaine prochaine en préfecture du Rhône et en me rapprochant auprès du syndicat des poissonniers, du syndicat des cuisiniers et du syndicat des traiteurs, car il faut être unis pour cette corporation, car à travers cette corporation, ben, nous allons pouvoir travailler ensemble, main dans la main. Et maintenant, on va essayer de faire une mention écaillée sur le CAP de cuisinier, sur le CAP des poissonniers et sur le CAP traiteur. Ça veut dire que les jeunes qui vont sortir du lycée en troisième, eh bien, pourront apprendre le métier assez rapidement. Et une information qui me coûte très très cher, mais qui me... Et je veux le rendre hommage à notre ami, à mon maître, Paul Bocuse. C'est tout simplement que nous allons monter un institut de l'écaille. Et je suis en accord actuellement avec Hervé Fleury à Limonest, en tout à Dardilly, à Écully, excusez-moi, voilà. À l'Institut. À l'Institut, pour que tout ce qui soit théorie soit fait à l'Institut et tout ce qui sera pratique sera fait très certainement à la halle de Lyon-Paul Bocuse avec l'ensemble des professionnels écaillés. Ça veut dire que nous allons obtenir dans l'année ou dans 2 ans un code APE à part entière. Et pour le moment, nous allons avoir un code APE provisoire pour les 500 métiers qui ne sont pas reconnus d'État actuellement en France. Voilà. On va parler un petit peu d'argent, parce qu'il y a quand même des trophées et de l'argent à gagner à la clé de ce concours. Moi, j'ai mon chèque déjà. Oui, non, mais pas pour toi. Mais il y a 250 euros... Pas pour moi. Non. Et toi? Non, plus, il y a gratuitement. Du quatrième au deuxième prix, 250 euros. Le troisième prix, 600 euros. Le deuxième prix, 1000 euros. Et le premier prix va repartir également avec un trophée et 1500 euros. Voilà. Et je ne sais pas si les membres du jury m'entendent. J'aimerais bien qu'on les présente un par un, parce que là, on a un peu de temps. Alors, je vais aller les chercher, si tu veux bien. Hein, les membres du jury, est-ce qu'ils m'entendent? Ils sont en train de bosser, en fait. Nous sommes avec la Hollande. La Hollande est arrivée. La Hollande est ici. Viens. Mesdames, messieurs, je vais vous présenter la société Delta Bocel. Olivier Camelot, le commercial et le représentant pour la France, pour tout ce qui est huître de Yerseke de Zélande et la maison Delta Bocel, donc pour ses moules. Et c'était l'une des premières sociétés qui ont lancé les barquettes de moules sous atmosphère contrôlée, donc sous gaz. Et puis une deuxième société qui s'appelait Vette Enverhardt et Pays-Bas, qui ont déposé un brevet et que vous connaissez tous, que vous trouvez ce produit, c'est la barquette de moule en eau de mer sous vide naturelle. Et le commercial de cette société, il est français aussi, comme Olivier Camelot, c'était moi. Merci. Je n'ai pas le talent de Marcel pour vous présenter nos activités, mais en revanche, je peux vous garantir que vous avez devant vous un grand spécialiste des coquillages et particulièrement des huîtres. Et je suis très heureux de pouvoir le retrouver ici. Nous avons été concurrents et aujourd'hui nous sommes amis. Voilà, bon spectacle, je crois. Alors, il oublie de préciser, lorsque nous partions ensemble... Non, reste à côté de moi, Olivier. Lorsque nous partions en commercial avec nos sociétés, et chacun de son côté, on devait rendre des comptes. Alors, par exemple, je me trouvais à Lyon. Eh bien, on se divisait discrètement. Toi, tu vas là. Et le soir, on se retrouvait en ami parce qu'il est lyonnais. Il est lyonnais, Olivier Camelot. Il faut le savoir. Toute sa famille est de Lyon. Et maintenant, il habite à Lille pour des raisons professionnelles. Mais c'est vrai que, Olivier, nous n'avons jamais été... Nous avons été concurrents dans des maisons, mais nous n'avons jamais été concurrents à l'extérieur. Et c'est ça, l'amitié conchilicole et mythilicole. C'est une profession de commercial. Elle est très importante parce qu'on représente quand même beaucoup sur la France. Olivier Camelot, actuellement... est le leader de la moule en barquette en France. Le leader. Je crois que c'est plus de 400 tonnes ou 4000 tonnes de moules vendues en France actuellement en moule de Zélande. Tout à fait, je confirme. Voilà. Merci à toi, Olivier Camelot, la maison Delta Bocel, à Yerseke, en Zélande, en Hollande. Alors, je ne peux pas vous présenter les membres du jury parce qu'ils n'ont pas terminé encore les plateaux d'avant. Oui, parce qu'ils contrôlent les membres du jury. C'est très long. En fait, il y a 100 huîtres par candidat multiplié par 12. Hein. Donc, ils sont en train de vérifier 1200 huîtres. Ah, ils nous amènent les trophées.
Alors, les trophées, c'est fait avec des couverts en argent. C'est des couverts en argent, travaillés par un artiste. Je ne sais pas, il devait venir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là, M. Doutre. Il est là. Donc, oui, qui vienne, alors. C'est lui qui a créé. C'est, le, voilà, il arrive vers nous. Voilà, c'est monsieur le créateur de ces trophées. Vous avez donc les cailles d'or par la Banque Populaire. Le deuxième, c'est la maison Ange de Lanchy. C'est notre transporteur préféré à tous, ou presque. C'est un ami en plus de très longue date et c'est lui qui nous sponsorise. Je le remercie. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais voilà. Et le troisième, c'est le Grand Prix des Écaillés de Lyon. Voilà, on a les trois trophées que ces messieurs vont pouvoir. Et ce sont des pièces uniques avec un certificat d'authenticité. Je crois que ça mérite un applaudissement pour monsieur le créateur. Alors, un petit mot sur votre travail. Alors, moi, je disais, dans le travail du couvert ancien, c'est-à-dire je travaille pour les Bocuse, je travaille pour les restaurateurs qui sont aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, il faut savoir que c'est M. Moreau qui m'a amené des vraies huîtres, donc qui ont été travaillées au chlore et après, elles ont été dorées. Par contre, c'est donc, évidemment, des couverts à poisson, des fourchettes à poisson. Là, également, des petites cuillères à poisson. Et donc, ça fait la symbolique du kelp, enfin du varech, avec des fleurs comme des fleurs de lotus, et les huîtres qui seraient, comme qui dirait, des huîtres perlières. Voilà. C'est très, très joli. Bravo. Hein. Vraiment, c'est très réussi. Patrick. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir Patrick, un créateur, encore une personne qui reste dans l'ombre. Et bien, pour une fois, aujourd'hui, c'est la fête de l'écaille. C'est la fête aussi de toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Vous caractérisez comme un détourneur d'objets, c'est ça ? Absolument, oui, c'est ça, détourneur d'objets. Je travaille sur le patrimonial, c'est-à-dire aussi bien des pièces qui viennent du paquebot de Normandie, par exemple, ou bien des pièces qui sont de grands restaurants, comme pour Bocuse ou Orsi ou d'autres. Ils me confient leur propre matériel et je travaille sur le patrimonial, c'est-à-dire qu'on continue à pérenniser ce produit. Au lieu que ça soit dans le buffet, c'est sur le buffet. Eh bien, bravo en tout cas pour ces créations. Rassurez-vous, ce ne sont pas eux qui ont gagné hein, pour les personnes qui arriveraient, qui nous rejoindraient sur Cuisine en scène. Non, ce n'est pas la fin du concours. Hein, c'est, voilà. Merci. Bien. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir Patrick Doutre. À Vaux-en-Velin. Il habite au 40 rue de la République, 6920 à Vaux-en-Velin. Et vous avez donc un site www.patrick-doutre.fr ou son mail. Patrick.doutre, doutres@orange.fr. Bravo à toi, Patrick. Merci. Alors, vous imaginez la mise en place qu'il y a, hein, parce que là, ça arrive petit à petit. Mais si vous aviez vu derrière, il y a encore 20 minutes, il y avait une montagne de fruits de mer. Vraiment, c'est impressionnant la quantité qu'il y a, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a 12 candidats. Donc, il y en a encore. Il y a 12 candidats. Ça représente à peu près entre 600 et 700 kilos de marchandises. Et les 12 vont travailler ensemble. Hein. Oui, oui, tout à fait. On ne fait pas comme tout à l'heure, 6 et 6, les 12 vont travailler ensemble. Il est 14h40, je pense que quoi, d'ici... 1h45. Oui, mais là, dans combien de temps on est prêt ? On va commencer, on va envoyer le jingle dès que nos amis maîtres poissonniers oui. Écaillés, Jean-Luc Vianney, nous donnera le top. Oui, parce qu'on leur a apporté les plateaux, les supports, on leur a apporté la déco. Ça, c'est toute la délégation, ça. Donc là, c'est quasiment tout prêt. Hein. Moi, j'aurais souhaité que, messieurs les écaillés, vous soyez dans les loges. Merci. Voilà, restez avec nous donc pour ce concours de plateaux de fruits de mer qui va démarrer dans quelques minutes sous la direction du président du jury, Alain Merle, le vice-président, Marcel Lezoy, et les adjoints, messieurs Rousseau, Chabrier, Béjaoui et Vianney, qui sont d'ailleurs meilleurs ouvriers de France. Il y aura donc un plateau à constituer avec une notation par points. Quelques critères de notation. Concours donc d'ouverture, d'exécution, de présentation d'un buffet de fruits de mer pour 10 personnes façon traiteur, face au public, avec une liste de produits que Marcel vous a donné tout à l'heure. Un buffet présenté sur une table ronde d'1,50 m, accompagné avec des algues et de la glace. Les produits doivent être prêts à consommer debout avec un accompagnement approprié. Ah, 30 secondes, parce que j'ai une personne qui arrive pour me voir. Oui,
Elle est derrière, je l'ai vue. Mesdames, messieurs, je vais vous demander d'applaudir une personne que vous connaissez tous. Elle fait partie de votre paysage télévisuel. Elle est là, je l'ai vue. Je sais qu'elle est discrète, mais j'espère qu'elle va venir à mes côtés, à nos côtés. Elle est là, vous la connaissez tous. Elle est adorable. C'est un ange. C'est un ange. En plus de ça, elle attend un petit bébé, une petite fille. Karine Tessandier de France 2. Elle est là, Karine. Oh là là, ça me fait plaisir. Bon, ben voilà. Oh, Karine. Oh. Si vous vouliez faire une apparition discrète, c'est trop tard avec Marcel. Bonjour, Karine. Merci d'être avec nous. Merci, Karine. Merci à toi d'être avec nous. Oui. Voilà. Mais oui, mais j'ai vu Jérémy. Martine, elle est là aussi. Elle est... Martine, tu viens ? Allez, Martine. Les personnes qui travaillent dans l'ombre, là. Karine, on vous a aperçu sur les écrans du salon depuis le début. Comment ça se passe ? Bah ça se passe, merci, bah dites donc, deux pour le prix d'un. Ça se passe très bien, je vous remercie. Chaque jour, effectivement, la Web TV Sira nous propose des débats, d'avancer un petit peu sur ce thème de l'innovation, d'être au courant de tout ce qui se fait en la matière, puisque le Sira est là pour ça. Et voilà, mon Marcel, j'étais juste, et j'ai tout traversé pour toi. Hein. Attention. Hein. Voilà, Karine, que vous retrouvez sur Sira TV, donc, hein, qui a été fondée il y a déjà 2 ans sur le Sira et qui prend de plus en plus d'ampleur. Avec une retransmission de l'ensemble des concours avec une grande étape hein, aujourd'hui et demain, c'est les Bocuse d'or. Oui, c'est les Bocuse d'or. On a d'ailleurs fait ce matin un point. Vous avez pris dans mon point, oui, j'ai pas de problème de digestion, mais une petite fille qui pousse. Nous avons la même. Et sa jumelle. Et donc ce matin, on a fait un point sur les nouveaux points de règlement de ce Bocuse d'or justement qui a lieu. Et on suit sur les écrans avec beaucoup de plaisir l'évolution des plaques. On voit partir et il y a une ambiance formidable. Et demain, on n'oublie pas la France, évidemment, qui va vraiment défendre nos couleurs. Eh bien, Karine, moi, je suis très, très... Je sais plus quoi dire. Parce que nous travaillons ensemble en étroite collaboration avec Jérémy, son agent. Jérémy vient là. Car vous allez les retrouver tous les deux sur le Tour de France avec ASO, étant donné qu'ils font toutes les étapes du Tour de France et tous les matins, à chaque ville étape, Karine est là avec le micro et présente toutes les spécificités de chaque région. Et c'est vrai que ce travail d'animatrice culinaire, c'est pas évident. Mais moi, Karine, je te l'ai déjà dit, je te le répète, j'aimerais bien avoir ton petit carnet quadrillé que tu as pour faire tes recettes. Et que tu n'oses pas me le présenter. Ça m'énerve. Il veut dire recette, là, en gros. Quelle recette ? Eh bien, il n'y a qu'à aller sur le www.france2.fr. Tout y est, mon Marcel. Voilà, elle a dit. Maintenant, allez-y. Mais Karine, je ne vais pas te retraîner parce que je sais que tu es fatiguée. Merci de ta visite. Merci de ta présence. Et prochain pour moi, deuxième Coupe du Monde des écaillés à Nice avec M. Paul Obadia qui est ici. Je ne sais pas où il est. Donc, je l'attends. Merci à toi, Karine. Merci. Merci. Oui, trop tard. Alors, on va démarrer dans quelques minutes. Donc, il faut se dépêcher. Bon, allez, il faut y aller. Allez. Allez, tu as la liste des compétiteurs. On y va, c'est parti, jingle. J'appelle donc Frédéric. Je peux, dans un ordre comme on veut, hein. Oui. Bon, oui, oui. Frédéric Fitt Duval, le bistrot de Lyon. Le bistrot de Lyon à la marche. Allez. Le bistrot de Lyon, Frédéric, allez. Allez, vous prenez Frédéric, n'importe quelle table. Allez-y. Michael Lenoir, à la poissonnerie Lucine au Cap Ferret. Champion de France des écaillés 2012. Grégory Martinotti, Merle Coquillage, Lyon. Allez, la Halle de Lyon, la Maison Merle. Fabrice Sibilia, Sélérier, Lyon. La Sélérier, la Halle Paul Bocuse, à Lyon. Marc Lande, chez Jeannot, à Toulouse. Le Toulousain. Allez, vous choisissez votre table, vous mettez où vous voulez. Guillaume Gouverne, l'Hippocampe, à Antibes. Et voilà, Albert Ier, l'Albert Ier d'Antibes. Sivapataratnam, Sitamparanathan.
Voilà, Nathan, voilà la coupole à Paris. La coupole du groupe Flo. Christian Peria, le Café Turin à Nice. Champion de la, premier, de la première Coupe du Monde des Écaillés à Nice Eurespo. Christian Peria, voilà le vainqueur de la Coupe du Monde des Écaillés. Daniel Rivetti, Lausanne Palace à Lausanne. Et cinquième, cinquième de la Coupe du Monde à Nice. Deuxième au championnat helvétique il y a deux ans. Et quatrième cette année à Gastronomia à Lausanne. Clément Marandon, Café Jutard à Lyon. Clément Marandon qui a fait 7 minutes 06 tout à l'heure pour les 100 titres. Choisissez votre table. Ludovic Guichard, établissement Toinois à Marseille. Alors, toi, moi, nous, voilà. Oui, où tu veux. Et Philippe Coras pour la marée à Annemasse. Philippe Coras, c'est notre dernier cahier qui a bien voulu jouer le jeu. Voilà, tu prends la place, c'est bien. Monsieur Gaston Moreau, à vous la parole. Chers candidats, une petite minute d'attention. Vous avez, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Merle, s'il vous plaît, chaque candidat a quelques minutes pour aller à l'espace cuisine chercher des ingrédients qui lui manquent pour ceux qui n'en ont pas. Vous avez certaines choses à voir. Celui qui veut pas, veut pas. Celui qui veut, veut. C'est à vous de voir. Ils ont combien de temps? Ils ont 3 minutes chacun. Et vous allez à tour de rôle. Vous avez la possibilité d'aller en cuisine chercher des éléments si vous en manque, tels que du vin, si vous voulez du vin, de la mayonnaise, de l'aioli. Des produits que vous ne pouvez pas emporter de chez vous ou que vous avez emportés, si vous les avez emportés, tant mieux. Mais ceux qui n'en ont pas hein, peuvent y aller. Messieurs, tout de suite, rapidement, et vous revenez rapidement. Merci. Voilà, on leur laisse 3 minutes, donc, pour ceux qui vous ont besoin 5. D'aller chercher quelques outils complémentaires dans les coulisses. Et si vous avez ce qu'il faut, vous n'y allez pas. Si vous y allez, vous prenez... voilà. Et vous avez... Bah du coup, ils sont tous partis. Voilà, on avait Karine Tessandier donc, qui était avec nous il y a quelques minutes pour que vous connaissez de France 2, évidemment, mais surtout qui est sur le Sira TV et qui présente toutes les émissions de Sira TV pendant ces 5 jours. Voilà, si vous nous rejoignez, c'est donc ce plateau de fruits de mer qui va être réalisé. C'est un concours qui a maintenant lieu depuis combien d'éditions au CIRA? Alors, c'est le plus ancien concours de l'écaille, c'est au CIRA, c'est donc, ici. Donc le CIRA a 30 ans, c'est la 15e édition. Voilà, chaque année, tous les deux ans, il y a eu un concours, et en parallèle, il y a eu le championnat du monde fait et organisé par le CEPELCOM, où j'ai participé. Gel Events Exhibition maintenant. À cette époque-là, c'était Albert Romain. Hein. À l'époque, oui. Oui, tiens, on peut le saluer, Albert Romain. Oui, parce que c'était un précurseur avec M. Bellet. À l'époque, c'est le ancien président des... Frédéric Bellet, l'ancien président. Jean Bellet, Jean Bellet, l'ancien président des traiteurs, je crois. Oui, charcutier traiteur. Ouais. Donc ça, c'est des gens qui ont amené ce savoir. Et c'est vrai que le nom de notre maître, Paul Bocuse, a apporté vraiment cet engouement. Et le premier salon n'a pas eu lieu ici, à Chassieux. C'était à Lyon même. Oui. Et nous, oui, à l'époque, au Palais de la Foire, qui est Achille Lignon, mais alors moi, je n'étais même pas né, moi, à l'époque. Et on a accueilli Jérôme Bocuse, puisqu'il faut dire que le président est le nouveau président depuis 2 ans. Il a passé la main en 2011 et que Jérôme Bocuse, fils, donc, est le nouveau président du CIRA. Tout à fait. Donc, j'étais avec lui samedi lors de l'inauguration avec le maire sénateur. Le sénateur maire de la ville de Lyon, Gérard Collomb. Et président du Grand Lyon. Et du président du Grand Lyon. Et ainsi que le président de la Chambre des métiers et de la Chambre du commerce. Et nous avons largement discuté sur notre profession, le métier des cahiers. Et c'est vrai que je pense que la région de Lyon va m'aider énormément pour que ce métier soit reconnu.
Et surtout, ce que je voudrais, c'est que Lyon reste toujours cette capitale de la gastronomie. Et je compte sur vous pour ça, pour les pétitions. Je n'apprends rien, mais le sénateur maire de Lyon a dit que de toute façon, avec ou sans l'aval des autorités, la cité de la gastronomie serait faite à Lyon, normalement dans l'ancien Hôtel Dieu. Voilà, voilà, ça c'est une bonne information. Il l'a dit ouvertement sur le plateau de France 3. Et il a écrit également dans le journal Le Progrès, que je remercie, ils sont là. Le journal Le Progrès est là, Lyon People est ici. Et puis bien sûr, tous les gens de la presse conchilicole qui sont là, Yodé, PDM. C'est très important, même la Bretagne est représentée par le journal PDM, donc Ouest-France. Bah, il faut dire que tout le monde est là, France 2 est là, France 3 est là, France Info est là, il y a 120 000 visiteurs à peu près et on est en progression d'environ 15% en visitora cette année. Marie-Odile Fondeur nous l'expliquait ce matin, il y a à peu près 15% de visiteurs de plus aujourd'hui à midi. Voilà. Mais nous attendons le grand reporter et le responsable de France Inter, France Bleu et France Info, Maurice Fusier, devrait venir tout à l'heure nous voir pour saluer eh bien, les Lyonnais et mettre un visage sur tous ces Lyonnais qui écoutent cette radio qui est France Info. Alors pendant qu'ils se réinstallent à nouveau, parce qu'en fait certains sont allés chercher du vin par exemple, hein, ils sont allés chercher quelques petites choses qui vont les aider. Buffet, donc dégustation fruits de mer pour 10 personnes avec 40 creuses, 20 plates, 20 praires, 20 palourdes, 20 moules, 20 amandes, 10 clames, 10 oursins, 20 langoustines, 30 crevettes, 20-30. Alors la taille 20-30, alors ouais. Quand vous voyez dans la grande distribution des crevettes avec des tailles, c'est tout simplement vous en avez 20 à 30 au kilo. Oui. Donc à peu près 25 pièces par kilo. C'est pas la taille en fait, c'est, c'est le poids. C'est enfin, le poids, c'est le nombre. C'est le nombre de voilà. Pièces au kilo. Au kilo. Deux tourteaux, trois homards, des violets, des grises, des bulots, des bigorneaux et... Est-ce que tu nous expliquais le bouquet qui est... De la Trinité-sur-Mer. De la Trinité-sur-Mer. Donc la Trinité-sur-Mer, la capitale de la navigation. Et c'est vrai que je remercie certains skippers des Vendée Globe qui m'ont appelé, étant donné que la mer, je la connais bien. J'ai eu l'occasion de voyager et de naviguer à titre de cuisinier sur un bateau que vous connaissez tous, en catamaran, qui était Royal, avec les frères Karadec. Malheureusement, il y en a un qui nous a quittés et qui est parti, la mer l'a pris. Et c'est vrai que la mer, c'est quelque chose de beau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Respectez la mer et la mer vous respectera. Et là, nous avons eu un beau tour du monde avec le Vendée Globe. Et le faire en 77 jours... c'est ça, 77 jours. C'est, oui, c'est ça. C'est beau, c'est magnifique. Et il a souffert, hein, je peux vous dire. Accompagné avec... Tous ces fruits de mer, un sac de glace de 20 kg, 10 citrons, un sac d'algues, 3 réhausseurs, 50 coquilles Saint-Jacques vides et couvercles, trois plateaux aluminium ronds avec des dimensions particulières, des plateaux 50, 45 et 40, 4 plateaux polystyrène ovale et donc une table de travail bien entendu. Bien, messieurs les écaillés, veuillez être attentifs, là maintenant... Ce n'est pas, messieurs les écaillés, ce n'est pas un concours de rapidité, c'est un concours de présentation. Dites-vous bien que vous allez faire un plateau de fruits de mer pour la présentation devant du public. Donc il faut travailler pareil, comme chez vous, dans votre établissement que vous représentez. Respectez l'hygiène, respectez le contact avec les coquillages. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Vous avez 1h45 pour réaliser votre plateau. Et dites-vous bien que votre plateau sera visuel de tous les côtés. Essayez de travailler proprement car il y a une note, comme au Bocuse d'Or maintenant, puisqu'ils ont pris, ils ont copié, ils ont fait un copier-coller sur le concours que j'ai organisé à Nice pour justement le côté hygiène et le côté écolo. On n'a pas parlé de la qualité des produits, mais il n'y a rien qu'à voir la couleur déjà. C'est magnifique, on fera des plans évidemment sur ces fruits de mer. Alors effectivement, non, ce n'est pas une épreuve de rapidité, mais il y a quand même un chronomètre, puisqu'il y a 1h45. Alors, est-ce qu'on va donner un top départ déjà? Est-ce que tout le monde est prêt? Messieurs les candidats, êtes-vous prêts? Merci de lever la main quand vous êtes prêts, définitivement prêts. Si vous êtes prêts, vous nous le dites. Bon, ben maintenant, de toute façon, on peut y aller.
Mesdames et messieurs, je vais vous demander, avec un peu de musique, si c'est possible, de lancer le top départ à 10, partir de 5. 9, 8, hein, 7, parti. 6, 5, 4, 3. C'est parti, 1h45. Allez, c'est parti. Donc il est 14h53, ce qui veut dire à 16h38. Allez, on encourage les candidats. Philippe, Coras, Danmas, La Marée. Allez, applaudissez-le, s'il vous plaît. Ludovic, Guichard, les établissements Toinois, Marseille. Christian Peria, le Café de Turin à Nice. Daniel Rivetti, le Lausanne Palace. J'en profite pour saluer la Suisse qui a remporté avant-hier le trophée des boucheries Étal, ici même sur Cuisine en Seine. Fabrice Civilia, les établissements Célérier à Lyon. Michael Lenoir, poissonnerie Lucine à Cap Ferret. Clément Marandon, établissement Jutard à Lyon. To the brink of the falls, the people
Guillaume gouverne l'hippocampe à Antibes. Ben, vous pouvez l'applaudir quand même. Oh, j'adore. Donc là, chaque écaillé a sa personnalité. Il a sa personnalité. Chaque écaillé a sa personnalité et vous allez le ressentir sur leur présentation. La couleur, la hauteur, le 3D, tout ça, vous allez le ressentir sur sa personnalité. Et à travers le plateau de fruits de mer, lorsqu'il sera fini, je pourrai vous déterminer et vous donner la personnalité de l'écaillé. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, je vais vous présenter, viens avec moi, parce que là, c'est important, c'est gros. Demande au caméraman de venir aussi. Et alors oui, on va c'est saluer gros. Marc Land quand même, les images de Marc, voilà. Voilà, on va voir des chez images Jeannot de Marc. À Toulouse. Eh bien, tout simplement, mesdames et messieurs, je vais vous demander de l'applaudir, en tout de les applaudir, parce qu'ils sont très... Ce sont des amis maintenant. Ce sont des gens qui ont fait confiance depuis 2008. Pas 2008, 2008, pour organiser deux concours. Après, deux ans après, trois concours. Quatre ans après, quatre concours. Ils habitent à Nice. Ce sont les organisateurs du plus vieux salon gastronomique en France, à Gécotel, Monsieur Paul Obadia. Monsieur Paul Obadia, directeur général de Nice Expo. Bonjour. Voilà, Monsieur Paul Obadia est tout simplement le directeur de Nice Expo et l'organisateur des quatre concours à Gécotel. Et exceptionnellement, il est venu ce matin de Nice pour venir participer à ce concours d'excellence, l'Écaille d'Or. Tout simplement, c'est que le vainqueur français qui sera présent aujourd'hui, qui va gagner le concours, est inscrit d'office pour représenter la France à la deuxième Coupe du Monde des Écaillés. Monsieur Paul Obadia. Merci, monsieur Marcel. Champion du monde d'ouverture d'huîtres creuses. Grâce à lui, le métier de l'écaille est enfin bien reconnu. Et ce n'est pas fini parce que c'est le début de la reconnaissance officielle de ce métier qui nous régale tant, qui est difficile, qui demande beaucoup de qualité, non seulement pour l'ouverture, mais aussi pour la beauté de la présentation. C'est avec plaisir qu'avec Marcel, nous avons convaincu pas mal de personnes pour faire la première Coupe du Monde des écaillés. Et à Gécotel, dans un an, du 2 au 5 février 2014, nous allons réaliser la deuxième Coupe du Monde des écaillés. Et nous attendons 24 pays. Donc 24 pays qui vont s'affronter pour réaliser le plus beau plateau d'écailles qui puisse exister au monde. Donc, mon cher Marcel, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir mis à l'honneur ce métier qui est difficile mais qui demande à être connu. Et tu sais que nous sommes toujours à t'écouter parce que défendre ce métier que tu aimes comme une passion, ben je t'en félicite et je souhaite qu'on puisse collaborer encore de nombreuses années. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Paul Obadia, directeur général de Nice Expo et organisateur donc de ce fameux salon à Gécotel. C'est la 26e organisation pour 2014. Donc ça veut dire que ça fait 52 ans que le Gécotel existe à Nice. Et ça a été donc le premier salon gastronomique organisé en France. Et le Bocuse d'Or, en tout le Syrah, vient bien après puisqu'ils en sont à leur 13e édition. Bravo et merci de votre présence. Et superbe région que Nice, vous avez beaucoup de chance d'habiter. Merci. Bon, alors, je voudrais simplement terminer de vous présenter les autres candidats. Nathan pour la coupole. Ah oui, Martinotti, pardon, Grégory, voilà, que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Merle Coquillage à Lyon, voilà. Les 12 candidats sont en compétition pendant 1h45 donc sur ce plateau de fruits de mer. On va faire un petit point dans quelques minutes. A tout de suite.
Bien, mesdames, messieurs, pendant que les candidats, les 12 candidats se préparent à faire ce beau bateau, je vais tout simplement vous présenter, ben, tiens, les trois membres du jury qui sont ici, meilleur rouillé de France en pâtisserie, en poissonnerie, caille. Ben oui, parce que j'étais hier avec Gabi à la Coupe du Monde de pâtisserie. Alors, vous avez là Étienne Chavrier qui a été élu meilleur ouvrier de France, poissonnier et caillé à la première session dont j'ai, il me semble, participé. 2007. Et je suis de Roanne, donc pas très loin de Lyon, hein. Je représente la région. J'ai été le premier MOF dans la région Rhône-Alpes et pour le sud de la France. Et je suis très heureux d'avoir été rejoint par deux Lyonnais, dont Cédric, à qui je vais passer la parole. Je me présente, Cédric Béjaoui, meilleur ouvrier de France 2011. Voilà, je suis dans le deuxième arrondissement de Lyon. Bien de chez nous, quoi. Oui, mais il est très timide, vous voyez. Alors, si vous voulez acheter du poisson, il faut aller dans le deuxième arrondissement. Et rue Vaucourt. La rue Vaucourt, donc vous venez le voir. Et puis le troisième membre du jury, vous le connaissez bien, puisqu'il est à la Croix-Rousse. Il est en train de faire des bisous à des petites blondes, là. Il est en train de papoter. Jean-Luc Vianney. Voilà, il est là, vous pouvez l'applaudir aussi. Et lorsque j'ai fait ma préparation du meilleur rouillé de France, eh bien, je l'ai fait grâce à son papa. Et son papa m'a donné cette chance de me préparer pour ce concours de MOF. Et je pense que Jean-Luc était à mes côtés. Je me rappelle un jour d'avoir fait des petits rôtis de poisson. Ça l'a surpris. Et Jean-Luc, il s'est dit, moi, je serai meilleur rouillé de France aussi. Eh bien, ça me fait plaisir de te passer la parole, Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc, voilà, meilleur ouvrier de France sur la dernière session 2011 avec Cédric. Lyonnais également, toujours sur Lyon. Et fier d'être sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon 4e. Voilà, vous pouvez applaudir ce trio. Vous savez, les quatre mousquetaires, ben, ils sont réunis aujourd'hui pour représenter Lyon, puisque je suis moi-même Majolan. Donc vous voyez que les quatre mousquetaires sont là. Je ne vous dirai pas qui est D'Artagnan. Hein. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Hein. Parce que c'est un vrai travail. Ce qu'ils sont en train de faire là, les écaillés, c'est ce qu'ils ont fait en meilleur rouillé de France. Et là, je peux vous dire, c'est un stress. C'est un stress. Tony. Bien sûr, pour faire organiser ces concours, on a donc besoin de mains, on a besoin d'hommes, mais nous avons également besoin de sponsors. Les sponsors se défilent tout le long de cette rampe avec les écrans de télévision. Avec Yodé, notre représentant, Fabrice, qui est là, le journaliste de Yodé, qui reste discret, mais vous pouvez acheter son catalogue pour pouvoir savoir ce qui se passe dans le domaine de la... Et tiens, voilà aussi une personne qui est intéressante. Les premiers apprentis, là, viens me voir. Voilà, regardez là. Voilà un apprenti. Voilà, un meilleur apprenti 2011. Vous voyez que notre métier est bien représenté au niveau national et auprès des chambres des métiers. Voilà, meilleur apprenti de France en poissonnerie et caille et qui un jour, j'espère, deviendra meilleur rouillé de France dans les prochaines sessions qui vont avoir lieu. Et ta collègue, elle est où? Parce que vous êtes deux. Ben voilà, elle se cache là. Ben oui, elle se cache. Voilà une fille. Voyez? Et voilà, ça vous pouvez les applaudir. Voilà l'avenir, voilà notre métier, voilà notre profession. Ça fait plaisir de les voir. Merci à vous deux et bon courage et bon vent. Ah, attendez voir, la presse. Merci Henri. Et oui, d'abord, là, j'ai l'impression que je reconnais des têtes, mais ils ont pris un peu d'âge. Bonjour. Comment il va, la Banque Populaire? La Banque Populaire, notre partenaire. Ah, la Socama, oui, excuse-moi. Voilà. Ben oui, mais vous êtes toujours ensemble, alors. La Socama, ici présent, à nos partenaires. Allez, vous pouvez les encourager. Et vous pouvez les suivre avec, bien sûr, la télévision. Et les images que vous voyez là sont diffusées dans l'ensemble du salon.
en parallèle évidemment avec le Bocuse d'Or, hein. Mais c'est nous qui primons, hein. C'est pas le Bocuse d'Or, hein. C'est l'écaille. Je voudrais vous présenter un partenaire qui est avec nous, la Socama. Venez nous rejoindre. Bonjour, ça va bien? Ben, on se connaît parce que je pense que la Socama, qui fait partie du groupe Banque Populaire, on va le rappeler, est présente à peu près sur l'ensemble des concours. Vous étiez avec les fromagers, vous étiez avec les bouchers. Oui, oui, on est toujours présents, c'est avec plaisir qu'on participe, est un partenaire non seulement en Banque Populaire mais avec tous les métiers de bouche, parce qu'on touche l'artisanat de très près, puisque moi-même je suis issu de l'artisanat, j'en fais toujours partie, hein. Je rappellerai pour les gens qui ne nous connaissent pas, Socama, c'est peut-être un terme bizarre, c'est une société de caution mutuelle artisanale, et sa particularité, c'est pour obtenir votre garantie du prêt, ce n'est pas un banquier qui choisit, c'est un artisan qui cautionne un autre artisan. Voilà, c'est le principal activité. Et on est chaque fois avec plaisir qu'on se revoit et qu'on reparticipera encore, je pense. La crise, il n'y en a pas beaucoup en métier de bouche, je pense pas. C'est ce qu'on disait hier, hein, là, avant-hier, c'est qu'il y a des débouchés dans ces professions. Et c'est l'essentiel. Merci en tout cas de votre partenariat. Alors, Marcel, où en est-on ? Oui. Où en est-on là ? J'étais en train de discuter avec notre meilleur ouvrier de France, Étienne Chavrier de Roanne, justement pour me dire qu'il est étonné et surpris de la qualité de la présentation des candidats et qu'il commence à travailler vraiment. On va devenir vraiment. Eh bien, pourquoi on n'organiserait pas l'écaille d'or, mais directement là-bas, au hall numéro 6, ça serait bien. Ah, ça, je pense que c'est plus compliqué à faire. Non, je pense qu'on va y arriver. Je suis assez tenace. Voilà Alain Berlioz-Curlet qui est le président de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Bonjour, je vous ai interviewé avant-hier, vous étiez avec nous sur les bouchers et les fromagers également. Les institutions sont de plus en plus présentes, la Chambre régionale c'est normal, est présente au CIRA. Bien sûr, je ne voudrais pas déranger les concurrents parce que je pense qu'ils doivent réaliser des plateaux à la hauteur de ce qu'on a pu voir dans toutes les professions des métiers de bouche depuis le début du CIRA. J'ai pu voir les fromagers, j'ai pu voir les bouchers et hier au soir la Coupe du Monde de la pâtisserie. On est vraiment dans l'excellence de nos métiers. Pourquoi ces concours? Eh bien d'abord c'est pour inciter les jeunes à venir dans ces métiers, ça c'est certain. On en a besoin, on a besoin de la jeunesse pour renouveler. Et puis c'est l'image de la qualité de nos produits régionaux, nationaux, à l'international. Donc, plus vous réaliserez de belles choses, plus on verra, on aura votre image et plus nos hommes politiques, nos pouvoirs publics diront que l'artisanat, c'est la seule voie du savoir, la seule voie de la formation, la seule voie où il y a encore d'espoir d'avoir de l'emploi en France.
Eh bien, vous êtes là, vous portez une mission importante. Je vais les laisser travailler. Je reviendrai tout à l'heure pour la remise des prix et je serai ravi de féliciter les meilleurs d'entre vous. Voilà, merci et continuez bien votre exercice très difficile parce que devant des spectateurs, c'est pas évident de travailler, mais je vois qu'ils sont hyper concentrés. Alors, vous parliez, il manque des artisans, il manque également des cuisiniers. On en parlait ce matin avec le ministère de l'Agriculture, le représentant du ministère. Il manque 17 000 cuisiniers dans les années à venir. Oui, alors il est difficile de dire ça au CIRA quand on reçoit 12 800 chefs de 130 pays différents. Alors, ça peut paraître extraordinaire de dire il manque des cuisiniers. Mais c'est vrai qu'à part les chefs, hein, en dehors des chefs qui sont les chefs toutes ces toques blanches ou les maîtres restaurateurs, eh bien, il y a derrière tous des professionnels qui travaillent également, qui sont dans nos cuisines et il nous manque de la main-d'œuvre. C'est vrai. Il manque de la main-d'œuvre dans beaucoup de nos métiers en France et c'est pour cela qu'il faut donner envie et le CIRA est la plus belle des vitrines pour donner envie aux restaurateurs, aux cuisiniers et à tous ces métiers que j'ai cités tout à l'heure. Et une diversité de métiers, on en parlait avant-hier avec les bouchers. C'est vrai que devenir boucher, c'est pas simplement travailler la viande, c'est aussi être chef d'entreprise, monter une affaire, voire développer ses affaires avec 3, 4, 5 boucheries. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'envie d'entreprendre que l'on a moins en France. Et je l'ai dit hier à Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat était présente. Je lui ai dit il faut libérer les énergies des entreprises. Les entreprises ont de l'énergie en France, mais avec toutes les réglementations, toutes les normes, toutes les barrières que l'on peut mettre à nos métiers, à nos professions et à nos entreprises, eh bien, on bloque complètement l'énergie des hommes et des femmes qui peuvent venir et créer de l'entreprise. Alors, la Chambre régionale des métiers met en place une université régionale des métiers. Pourquoi ? C'est pour que les jeunes qui sont dans les niveaux les plus bas puissent accéder à l'enseignement supérieur. Et des gens qui sont en reconversion ou qui sont dans l'enseignement supérieur puissent créer des entreprises. Parce que le goût qu'on doit donner, c'est l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi qu'on ne soit pas complètement barré par des normes, des réglementations, par toutes ces règles administratives. En France, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais on en crève. Alors qu'on a des gens qui ont envie, regardez quand vous voyez travailler ces gens-là. Vous croyez pas ? Ce sont des écaillés, Alain. Non, mais ces gens-là, mais parce qu'il y a des écaillés, il y a des bouchers, je voudrais pas. Regardez, travailler tous ces écaillés, tous ces gens des métiers manuels. Moi, voilà. je suis artisan dans le bâtiment. Donc, je veux dire, ces gens-là, j'en fais partie. Voilà. Donc, mais voilà, c'est tout. Il faut que les hommes politiques, que l'on a en France, hommes et femmes politiques, comprennent tout ça. Si on veut être au niveau européen et si on veut être concurrentiel au niveau international, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Alors moi, simplement Alain, je tiens à te préciser, j'attends justement le président helvétique des cafetiers limonadiers qui m'ont donné cette chance depuis 3 ans d'organiser des concours des cahiers en Suisse. Le métier des cahiers en Suisse, ben, il n'est pas reconnu. Mais c'est quoi un écaillier ? Eh bien, en 3 ans de temps, la Suisse a développé les huîtres. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 72 sur Martigny, on vendait pour Noël 400 huîtres. Actuellement, à la foire de Martigny, nous en sommes à plus de 25 000 huîtres en 10 jours, ouvertes. Donc ça veut dire que même en Suisse, dans ce petit pays helvétique, eh bien, on est capable de former également des écaillés. Et c'est mon but, c'est notre but, à nous, les professionnels de l'art culinaire, de pouvoir mettre en avant ces métiers. Et c'est pour ça, grâce à toi, Alain, eh bien, le CEPELCOM il va nous aider pour encore monter en puissance et que ce métier d'écaillé, bien sûr, avec la complicité de la poissonnerie, de la cuisine et du traiteur, nous pouvons obtenir ce que nous vous demandons, notre code APE. Juste dire, mesdames et messieurs, les écaillés, continuez bien le concours. Merci Alain, vous pouvez l'applaudir. Alain Berlioz-Curlet, donc, qui est le président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Voilà. On va laisser donc nos participants à ce concours avancer un petit peu. Je vais vous dire précisément où on en est. On est à 26 minutes du début. Donc il leur reste encore 1h19. Voilà, ça commence à prendre forme.
On va se retrouver d'ici quelques minutes, on va faire une petite pause. Bien sûr, vous allez suivre en image, grâce à Patrice, notre cadreur, vous allez suivre en image l'avancée des plateaux. Ça se va, tout va bien, Président ? Pour l'instant, ça se passe pas bien. Bien, plutôt bien. Pas mal du tout. Il y a des jolies présentations qui se préparent. Je demanderai quand même de faire attention de ne pas mettre trop d'eau par terre. Sinon, je vais me faire engueuler par qui de droit ? Alors, je dirais que c'est de votre faute, c'est vous qui n'avez pas vu. Non, mais faites attention, parce que c'est vrai que, bon, demain, il y a un concours, il faudrait quand même être un peu sérieux, et que si on met de l'eau un peu partout, ça va pas aller. Mais ça se passera bien, autrement, ça va. Très bien, ça prend bonne tournure. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous vivez donc ce concours. De présentation de fruits de mer par les poissonniers écaillés et les écaillés professionnels. La première partie tout à l'heure, c'était un concours de vitesse d'ouverture d'huîtres. Il y en avait 100 à ouvrir. Et là, eh bien, c'est la deuxième partie principale du concours. C'est un concours d'ouverture, d'exécution et de présentation d'un buffet de fruits de mer pour 10 personnes façon traiteur. Avec une liste de produits évidemment sur le marché que je peux vous donner d'ailleurs. La qualité d'ouverture compte effectivement beaucoup. Alain Merle, vous faites partie du jury, vous êtes le président du jury. Vous parliez de la qualité d'ouverture que vous contrôlez en fait. Hein. Elle sera contrôlée, cette qualité sera contrôlée par deux jurys. Ensuite, il y aura deux autres jurys pour les crustacés, pour savoir s'ils sont préparés comme il faut. Et après, il y aura six jurys qui noteront la présentation là, à l'œil. Ça se passe bien là pour l'instant. Hein. Pour l'instant, tout va bien, mais on n'est pas en avance. Oui, parce que je l'ai dit, hein, il reste 1h15 à peu près. On a déjà fait la première demi-heure. Hein. Donc on n'est pas tout à fait au tiers du concours, mais ça avance. Il faut mettre en scène, j'allais dire, 40 creuses, 20 plates. Pour les huîtres, il y a 20 praires, 20 palourdes, 20 moules, 20 amandes, 10 clames, 10 oursins, 20 langoustines, 30 crevettes. 20-30, 2 tourteaux, 3 homards, des violets, des grises, des bulots, des bigorneaux, des bouquets. Non, c'est votre domaine, là. Évidemment, tout cela avec un sac de glace de 20 kg, quelques accessoires, 10 citrons, un sac d'algues, 3 réhausseurs, 50 coquilles Saint-Jacques vides et couvertes, des plateaux aluminium ronds de différentes tailles, des plateaux polystyrène et bien sûr le tout sur une table de travail d'1,50 m. A tout à l'heure, rendez-vous, on va faire un petit point dans 10 minutes. Merci, à tout de suite. Bien, mesdames, messieurs, actuellement, je suis avec la presse et les photos, avec Yodé, avec Fabrice, avec les produits de la mer de West France, et puis Henri Capella, qui sont là pour nous mettre sur Facebook ce concours des cahiers Excellence, les cahiers d'or.